Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur Dragon Quest XI pour la suite de notre aventure. Dans l'épisode précédent, j'étais là, ouais, la suite est fin, mais en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, on a encore beaucoup de choses à faire, mine de rien. Il faut sauver la sœur d'Eric, il faut tuer Mortegor. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, on a tué Jasper. Et le roi était là, ouais, je vous invite dans mon château, je suis pas du tout l'ingénieur du démon. Hein. Alors qu'on le sait, on le sait, on le sait. On le sait que tu es Mortegor, chien. Chienne de Babylone. Bon, j'espère qu'on va pas se faire avoir, hein, quand même. Oh. J'aime bien comment ma deuxième épée disparaît de temps en temps. Yokuzo maitta yūsha yo. Kōshite sonata wo futatabi mukai-ireru koto ga dekite ureshiku omou zo. Homeros ni taburakasareta washi wa nagai aida yūsha koso wazawai wo yobu akuma no ko da to omoikonde kita ga. Yokuzo Homeros wo uchihatashi, waga musume Marutina wo mitsukete kite kureta. Okage de ようやく目が覚めたぞ。それからお主に合わせたい相手がいるのだ。もうグレイグよ。将軍が大勢の兵士を引き連れて医師の村にやってきたの。血の通わない冷たい目をしたその将軍は私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。でも遅れて現れたグレイグ将軍がホメロスを止めて私たちをかくまってくださってね。長い間お城に閉じ込められたままだったけど、あなたが本当の勇者ということが分かって出してもらえることになったのよ。本当によく頑張ったね。天国のおじいちゃんもきっと今のお前を見たら喜ぶはずだよ。さあ勇者よ、急な準備ゆえ大したもてなしもできぬが、今日は存分に宴を楽しんでくれ。皆の者、心して聞け。この日よりこの者を真の勇者と認め、その名を称える者とする。勇者様万歳。勇者様に栄光あれ。Ok, en gros, on fait la fête, on boit, on se drogue, et on va dormir. Non, c'est faux. J'ai inventé une partie. Une partie de tout ceci était avant... Oh, maman! Oh, la mamma. Il a invité tout le monde, quoi. Ça va, mon frère? Tu as l'air épuisé. Enfin, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir un banquet organisé en son honneur. Si tu veux te reposer, tu devrais t'installer dans une des chambres prévues pour les invités à l'étage. Salut papy. Salut. Je voulais juste que tu saches, même si on a accompli notre devoir et qu'on t'a conduit jusqu'à Yggdrasil, ça ne veut pas dire qu'on va rentrer chez nous, Serena et moi. On te quittera pas d'une semelle tant que tu n'auras pas donné une bonne leçon à Mortegor. Nous parlions de la première fois que nous t'avons rencontré.
Nous avons tous les deux pensé la même chose. Nous pensions que t'avoir déjà rencontré avant. Il y a très très longtemps. C'est étrange, n'est-ce pas? Où est l'étage? Non, répondez pas. C'est bon, je l'ai trouvé. Petite sœur, comment s'est passé le banquet? Tu t'es bien amusée? J'ai parlé à mon père, et je ne vais pas te mentir, quelque chose cloche. Bah ok, ça y est. Le mec, il est déjà découvert, quoi. Viens m'attaquer pendant que je dors, hein. C'est tellement obvious. Bah oui. Prévisible as fuck. Par contre, on n'est pas assez méfiant, nous. Hein. Nazda, naze ken ni fureraren. Masaka kono chikara wa. Kisama, sono tsurugi wo, yūsha no tsurugi wo, watashi ni yokose. Même avec, tu ne peux pas me vaincre, Winam. どうしたの？姫様、これは。やっぱりあなたはお父様じゃない。いいえ、どうやら人ですらないようね。なんとなく感づいておったよ。デルカダール王と何十年も親交のあったわしの目をごまかせるわけがなかろう。宴まで開いて王になりきるとはな。まったく、とんだタヌキがいたもんだぜ。持っていこう。くっ。消えた。マジで。Un peu de respect pour le roi quand même. Ouais, la salle du trône, j'irai. Au hasard. Vas-y, on va à la salle du trône. Mon petit doigt me dit qu'il est là-bas. Petite sœur. J'ai d'abord entendu un grand vacarme provenant des chambres d'invités, puis Topaz s'est tout à coup précipité dans vers la salle du trône. Ce n'est pas dans ses habitudes de s'agiter comme ça. D'accord. Bon, je m'en doutais, hein. Le chien qui est au jus. Merci, mon chien. このベロニカ様から逃げようったってそうはいかないわよ。デルカダール国王に化けた悪しき魔物よ、観念して正体を明かしなさい。Arrête de rire, arrête de rire, vraiment c'est insupportable. Insupportable, monsieur.我は魔導士ウルノーム。16年前にユグノア王国を滅ぼし、デルカダール王になり変わった者。今まで貴様を追い回していたのも、全ては勇者の剣を奪い、大樹の魂を得るため。だが剣が貴様の手に渡った今、もはや手段は選ばぬ。ここが貴様らの死に場所となるのだ。貴様が魔導士ウルノーか。こうして会える時を
16年もの間待ちわびたぞ。ウルノーガ、貴様、今までずっと王に取り付いて私をたばかってきたというのか。グレイグよ、貴様は良い手駒であった。焦らずともすぐに天国の家族のもとへ送ってやる。貴様、まさか我が祖国ヴァンデルフォン王国を。生まれたばかりの勇者を襲い、ユグノア王国を滅ぼし、そして私たちの16年を奪ったあなただけは許せない。この無念思い知らせてあげるわ。私も戦わせてもらう。こいつは私の家族と友を奪った仇でもあるのだからな。こいつがお前の運命を狂わせた元凶だ。力の限りを尽くして戦うぞ。来るがよい。貴様の力を奪い、地上の命すべてを我がクモスにしてくれよ。ここで終わりにしてくれる。うん。Tactique, sans pitié, soin avant tout. Non, parfait. Hey. Giga slash. 300 points de dégâts. Ouais, c'est pas terrible ce que vous êtes en train de faire. En contre, ils ont l'air d'avoir des PV ces bâtons. Bâton magique. Boum. ドルクマ、取れ、セイ。見事なバトン。セイ、キア。世界の霧よ。もうスパーマ。お。C'est un bon choix, j'ai remis Kanek. Ça marche sur ça. Pas l'impression. Medapanima Mahoste. Zenryoku de iku. Ça marche pas vraiment, c'est juste qu'on a des prix. Non, je vais essayer un coup. Bon, il est mort. J'allais essayer un coup blanc sans utiliser le pouvoir, voir si c'était équivalent ou pas, mais. D'instinct, je dirais que non, c'est pas équivalent. Bon, on a encore beaucoup de choses à faire, hein. Faut sauver Mia. Faut sauver le pays des neiges de la magicienne maléfique. Attends, non. Non, je crois qu'on l'a déjà fait ça. Ah, j'ai du mal à me remettre dans l'ordre de ce qui s'est passé. Toki o saganobotte kita no wa omae dake da to omou na yo. Ok, je crois avoir. Une théorie. Le machin à mes pieds là, c'est le vrai méchant. Parce que. Enfin, c'est l'impression que j'ai là, à l'heure actuelle. Au vu de la réaction de Mortegor. Oto-sama! Oto-sama! Doka me o akete kudasai! Martino! Masaka sonata!マルティナなのか。ずいぶん長い夢を見ていたようだ。イグノア王国が魔物たちに襲われてから、わしは一体何を。
おお、それは勇者の紋章。あの時の赤子がなんとたくましく成長したことよ。そなたにはきちんと話をしたいところだが、まだ体が言うことを聞かぬ。お父様、あまり喋ってはいけません。ひとまず体を休みましょう。私はお父様の容体を見ることにするわ。明日になったらまたこの玉座のままで来てちょうだい。マルティナちゃんは16年ぶりにパパに会えたんだもの。二人だけにしてあげましょう。Je sais pas ce qu'il prépare, mais... Bonjour, tu as bien dormi? La princesse m'a demandé de te dire que le roi désirait te parler. Donc, bien. Ça, c'est le roi, le vrai. Le seul, l'unique, salle du trône. Attends, il est bien à la salle du trône? Oui. J'ignore tout le monde. Je leur passe à côté en mode bonjour.話は進化たちとマルティナから聞いた。わしは悪夢に囚われている間、ずいぶんひどい王だったようだな。そなたがいなければこの国は、いや、この世界はウルノーガに焼き尽くされ、地上の命は耐えていたことだろう。勇者よ、よくぞ悪しき元凶ウルノーガを倒し、ロトゼタシアを救ってくれた。そなたこそ古の勇者老主の名を継ぐにふさわしい若者。今ここに勇者の称号を授けよう。俺たちとうとうやったんだな。お姉様、ごめんなさい。今こうしてみんなとこの場にいることが、なんだかすごく幸せな気がして。嫌ですわ、お姉さまったら。私たちはいつだって一緒だったじゃありませんか。そうよね、変よね。お hasard au cimetière。 お hasard。 ありがとう。Pardon, de rien. De rien, Véronique, Nick, Nick, ça valait le coup.Après bon, c'est pas fini. Je me fais pas d'illusions. À moins qu'il y ait un cliffhanger pour une, fin, une suite, mais... Nani. Parlez pas tous en même temps. C'est... Voilà. La fin du monde. La fin du monde.C'est la fin du monde. とてつもなく邪悪な気配を感じます。この力、一体どこから？そういえば、ウルノーガが最後に変なこと言ってたよな。時を遡ってきたのは、お前だけだと思うなよ、とか。あれは一体どういうことだ？王様、大
変です。直ちにバルコニーへお急ぎください。勇者の星に異変が。Ah bah oui, la première fois il a voulu faire tomber l'astre, il y est pas arrivé. Mais là, l'astre est de nouveau là et du coup il va faire des carabistouilles avec. Et c'est Mortegor qui l'avait détruit justement l'astre. Eh bah oui. Il est où le balcon ? À l'étage du château. Ok. Oh. Peut-être. Non, on va pas faire le tour. On va aller à l'essentiel. On va se concentrer. Reste focus. Après, techniquement, ça devrait bien se passer. On est fort, hein. Enfin, j'ai confiance en mon héros. Et ça, c'est beau. なんと禍々しい空の色だ。あ、みんなあれを見て。勇者の星が落ちているのか。Mais Mortegor n'est plus, très bien. Plus personne ne me barre la route. Il pourrait mettre des sous-titres normaux. Mon heure est enfin arrivée, je suis de nouveau complet. I am complete. Ah. Une renaissance. I am complete, quoi. C'est plutôt l'inverse. J'ai toujours dit que les chauves étaient méchants, quoi. C'est mieux, ça passe mieux. Dommage, on a raté la punchline. Yusha no hoshi ga ochite shimatta no ka. Ittai nani ga okoro to iu no ja. Nani yara munasawagi ga shite naran. Yusha no hoshi no yosu wo mite kite kure no ka.勇者の星が落ちたのはバクラバ砂丘の方角、デルカコスタ地方へ赴けば何やら見えるやもしれん。おいよ、私も勇者と共に行きます。うん。これまで勇者に刃を向けてきた償いは、勇者の助けになることで果たさせてほしい。まだ俺にも守るべきものがある。お前が世界を救う勇者なら、俺は勇者を守る盾となろう。Mon retour parmi nous, mon ami. Quel niveau tu es? La question qui tue. Est-ce que tu t'adaptes à mon niveau à moi ou au niveau du reste de l'équipe ? Au reste de l'équipe. Dommage. Rendez-vous aux côtés de... sur la côte émeraude.
colline de l'église. À côté émeraude, c'est où? Bon, on va partir à pied. Hein. Ça doit pas être très loin. Et en vrai, ce qu'on va faire, c'est peut-être crafter, avant l'affrontement contre le boss, crafter les meilleurs items pour mes collègues. Moi, mon héros, il est ready, hein. Il est chaud bouillant, chaud patate. Par contre, les autres, ça manque un petit peu de puissance. Hein. Et d'ailleurs, ce serait bien de réussir à améliorer cette épée là. Je demande pas un x5, j'y arriverai jamais. Mais un petit x3. Omae Wamo Election Odaze. Hein. Ah, mon fidèle cheval. Philippe, le cheval. Ah bah c'est dans l'intro ça. Ah, retour à la réalité. Oh, il y a un dragon là-bas, au calme. Alors la côte émeraude. Si le dragon, vas-y, on l'apprend. Hein? C'est un peu plus correct. Combien? 2000. C'est ok, hein, niveau XP, hein. On va peut-être... En vrai, si j'avais... la volonté... chose que je n'ai pas. Mais si j'avais suffisamment de volonté, j'aurais mis tout le monde niveau 99 avant de continuer. Quoi. Histoire de vraiment déglinguer le dernier boss, quoi. On va pas le faire. On va y aller avec ma bite, enfin avec notre bite et notre couteau à nous tous. On se partage une bite. Quoi? Non, ça va trop loin, pardon. Ça, la blague va trop loin, quoi. Ce n'est pas une blague, en effet. Bien vu. Mais il y avait volonté de blague. Est-ce qu'on remercie la volonté ou pas? Moi j'ai envie de dire oui, en grande partie parce que c'est ma blague. なんて大きさなの。様子を見てこいとは言われたが、こいつはぶったまげたな。なんなんだよ、あの黒い物体は。表面からまがまがしい気を放っています。 聖なるものでないのは確かですわ。あれが勇者の星なのかしら。このまま放ってはおけないけど、空の上にあるんじゃどうしようもないわ。勇者よ、お困りのようじゃな。生きていたのか、ウルノーガ。このわしがウルノーガとな。そうか、お主らにはわしがウルノーガに見えるのか。わしはお主らの世界では預言者と呼ばれておる。預言者だと。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。とはいえこの姿では落ち着かんじゃろう。
わしには見える。お主らが神の使いケトスに乗って天空の民と出会う姿がな。神の使いケトスに天空の民だと？なんだそりゃ。伝説の笛の音がかの地へ導く。わしが言えるのはそんなところかの。ちょっと待ちなさいよ。全然わからないわ。残された時はわずか。ぼんやりしている暇はないぞ。さ、行くがいい。伝説の笛って言われてもこれしか持ってないし、何か心当たりある？Ouais, c'est celle-là. Je sais pas d'où tu la sors, mais bravo. 試しに吹いてみれば？Allez, viens là, c'est assez. Ma petite baleine volante là.すげえな。何？クジラが空を飛ぶですって？あれが神の使いケトスなのでしょうか？あんまり驚いてないのね。預言者に会ったのも空飛ぶクジラを呼んだのも、わあ、2、3回でしょ。初めてじゃないみたい。C'est une longue histoire。まあいいわ。私たちはいつも通りあんたについていくだけだから。それじゃあ行きましょう。あの空飛ぶクジラに乗って天空の民ってのに会いに行くわよ。Là-bas. Bon, c'est moins dramatique qu'avec Mortegor hein, pour l'instant. C'est même assez tranquille pour le moment. ここは町ごと空に浮いてるのか。いにしえの昔、生き物たちは大樹の加護のもと長きにわたって繁栄し、我ら神の民も大樹のしもべとして平和に暮らしていました。ですがある日、闇が空を覆い、遥か天高くより災厄が飛来しました。その災厄の名はニズゼルファ。地上に現れた黒い太陽、あれはニズゼルファの復活を示しているのかもしれません。ニズゼルファとは、かつて地上を地獄に落とした最悪なる邪神の名。ケトスを操りし勇者よ、事態は一刻を争います。さあ、長老様のもとへお越しください。預言者の言っていた天空の民とは彼らのことに違いあるまい。黒い太陽、あれは勇者の星ではなかったのか。とにかく長老に会ってみるとしよう。Ah mais il n'y en a pas qu'un en fait. Il y en a plein des créatures comme ça. Ah bah nickel.
Mais il est où l'ancien? Moi je pensais qu'il était à l'intérieur. Attends. Bienvenue dans la demeure des veilleurs. Parle avec l'ancien, l'ancien est à l'intérieur de la plus éloignée près des statues. Bah, c'est pas ici. Bon. Il y avait ça avant. Je veux dire, dans le futur, il y avait toutes ces îles là. Ça me dit rien là comme ça. C'est là, hein. Enfin, je dirais que c'est là. Ah, c'est ce truc qui s'est écrasé. こちらが我らが長老イゴルタプ様です。長老様は神話の時代から生きている方だよ。普段は深い眠りについておられるから、めったに目を覚まさないんだ。勇者を前にすればイゴルタプ様も目覚めると思いましたが、仕方ありません。この里に伝わる神話について私の方からお話ししましょう。こちらの壁画をご覧ください。いにしえの昔、邪悪の神ニズゼルファは命の大樹に眠る大いなる力を狙い、このロトゼタシアに現れました。邪神は大勢の魔物を引き連れ、邪悪な正気で地上を怪我したのです。世界は滅びの時を迎えようとしました。しかし万物の創造主たる命の大樹はこのことを予見し、一人の救世主を地上に遣わしていたのです。その者の名は老主、あなたの祖先、伝説の勇者です。老主はケトスの背に乗って大空を舞い、広大なロトゼタシアの大地をめぐって共に戦う仲間を集めました。そして戦士ネルセン、賢者セニカ、魔法使いウラノスという頼もしき3人が勇者のもとに集ったのです。4人は力を合わせ勇者の剣を作り、邪神討伐へと向かいました。長き戦いの末、ついに邪神を倒し平和をもたらしたのです。その話が本当ならば、倒したはずの邪神がなぜ今になって復活したんじゃ？残念ながらそれは私にも分かりません。ですが勇者が生まれた意味は分かります。あなたと邪神は表裏一体、邪神を倒すためあなたが生まれたのでしょう。しかし一体どう立ち向かえばよいのか。苗木じゃよ。ん？おお、長老様がお目覚めだ。みんな静かにするんだ。長老様がお話になるぞ。大樹様の苗木を頼れ。苗木が全てを知っておる。
大樹様の苗木そうか、そういうことか。あなたにお渡ししたいものがあります。入り口にある太陽の神殿に来てください。あ、そしたもん。Clé suprême, ok. Du coup, on peut ouvrir les portes blanches qui sont fermées depuis le début, là. Une robe, très bien. Une robe de petit diable. Ah. Ah, dommage. Bah, ça change pas sa tenue. Ah, voilà. Ça change comme une image, bah oui, bien sûr. En vrai, c'est adorable. Petit ange. Après, la robe de princesse donne plus de stats. Hein. Ouais, c'est mieux. Ah. Ah d'accord. Bah je pensais pas que ça allait être pour elle, j'avoue. Bizarrement. Naïvement, je pensais plus à sa sœur pour le côté démoniaque. Mais justement, ils font l'inverse parce que c'est rigolo. Ah, on a rien. On a vraiment rien pour lui. Non. Apparemment, il y a Corsair. Ah, dommage. Le Vando, il a un truc rigolo. Enfin, il y a juste le membre de parade, ok. Enfin, il y a lapin, mais on l'a pas. Bon, papy, grand maître. Comment on va au temple? Mais juste avant d'affronter le boss, on va se craft des trucs. Hein. Là pour l'instant je trouve qu'on est un peu faible. Enfin sur le papier. Le problème c'est qu'on a plus les items. Enfin on a encore les items mais il faut les équiper quoi. Les items ultra pétés là. あちらの苗木は、はるか古の時代からこの地を見守ってきた聖なる苗木。その中には当時の記憶が眠っていると言われます。残念ながらここにある聖なる苗木からは、邪神ニズゼルファを倒す手がかりを得ることはできないようです。しかし地上にある三本の聖なる苗木の記憶を読み解けば邪神討伐の手がかりが得られるやもしれません。それではそちらの台座にある聖なる種火に手をかざしてください。これはあざが反応している。だったんだ今のは。
聖なる種火の炎がその器に宿ったってことか。La flamme sacrée, à nouveau. 聖なる種火はロトゼタシアの創造主である聖竜様より受け継いだもの。Du coup, en fait, sur le papier, on peut se créer une deuxième épée lumière. Son éclairage est le feu de la puissance de l'univers. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire, en vrai ? Rien. Son 聖なる炎は、あなたがニズゼルハを倒す旅を続ける上で、きっと役に立ってくれるでしょう。長老様、ここでいいんですか？長老様。わしもその者らの眠れる力を呼び覚ましてやろうと思っての。まさか長老様がこんなところまで足をお運びになるとは。この者らの目には希望の光が宿っておる。光を絶やしてはならぬ。大樹の葉より生まれいでし子らに大いなる祝福を与えん。On va récupérer nos niveaux?Il est là, ouais, je vais éveiller votre puissance. Ok. Suge, chikara ga waite kuru mite da. Ouais, tu m'étonnes, hein. Là, il a pris 30 levels. Yusha ga iru kara, jashin ga umareru nado to iu.誤った伝承がよからぬ因縁を生んだ。そなたがその長きにわたる因縁を断ち切るのじゃ。聖竜の加護があらんことを。長老様、elle est pas morte, c'est déjà pas mal. 久しぶりに起きたからきっと疲れちゃったんだね。起こさないように連れてってあげよう。Oh là là, j'ai faim. Il est quelle heure ? Ça, quasiment 2h du matin, j'ai faim. 地上にあるという3本の聖なる苗木を探しに行くとしよう。そこから邪神討伐の手がかりを見つけるのだ。Attends, déjà priorité prioritaire. Ah. Du coup, ils sont niveau combien ? Ouais, voilà, ils ont tout récupéré. 62, 57, Véronica. Véronica a pris des levels, tu sais pas comment, quoi. Moi, je galère à trouver les menus encore, alors que c'est la fin du jeu. Eric. Ah ouais, mais ils ont tout perdu. La question, c'est qui on va mettre dans l'équipe. Bon, déjà, on va booster tout le monde. Faut aller chercher les crits. Le petit 100% de crit tout en haut là. Épée. Oh là, les poignards. Allez hop, on y va. On y va gaiement, on n'a pas assez de points, nickel. Véronique, nickel.
Attends, faut déjà faire l'équipement en vrai, parce que je sais pas avec quoi je vais l'équiper. Transforge. Tout. Non, en vrai, je vais plutôt faire comme ça. Canne. Bâton lumineux, bah on peut même pas. Attends. On fait tout dans le désordre. Alors mon équipe ce sera Hendrik, Sylvando et Papy. Hein. Maintenant on va les équiper. Il y a mieux, hein. Je pense qu'il y a mieux largement. Glouton Mercure, je crois qu'il n'y a pas mieux là. Non. Ça, c'est chiant qu'ils qu'ils remettent pas l'équipement qu'on avait de base. Au moins Mithril. Bah attends, son armure elle est meilleure que tout. Ok. Au moins on gagne du temps quoi. Voilà, je mets des objets au pif. Hein. Y'a pas mieux. Non, y'a pas mieux. La Tionek, je crois y a mieux. Voilà, flottante. Faut que j'augmente beaucoup son charme histoire de booster ses soins là. Putain, ça sera pas fou hein. La tueuse de zombies. Ah bah non. Pourquoi j'ai équipé la tueuse de zombies sur mon perso? Non, elle est pas équipée, elle est juste dans l'inventaire. C'est pas pareil. Voilà, parfait. Un peu au pif. Voilà, mes trois persos sont prêts. Les autres, on s'en fout un peu. Sylvando, épée. Attends, faut pas faire n'importe quoi en fait. Charisme. Séduit les ennemis, je pense que ce sera pas utile. Et globalement on va affronter un boss et il va pas y être sensible. Désoriente les ennemis. Soit pareil mais bon. Pas le choix. Enfin, il a tellement de charisme. Il est français en même temps. Les français ont tellement de charisme, n'est-ce pas? La danse des soins, celle-là elle est trop bien. Ruée vers l'or, c'est nul. Duo d'armes. Bah, fallait pas la prendre, mais c'est pas grave. Envoie une marque d'affection et empoisonne l'ennemi.
Libère un flot d'affection débridé sur un ennemi. Allez, maintenant on booste les épées. Into, on prend une attaque de fouet, hein, bien sûr. Bon, vraiment, je fais n'importe quoi, c'est incroyable. En fait, je veux aller vite et du coup, on fait plein d'erreurs. En vrai, quitte à aller vite, est-ce que c'est pas mieux de faire comme ça? Ah oui, hein. Coup miraculeux. Fouet souplesse. Tac. Y'a plus rien. Ça a marché ou pas? Comment ça marche à prendre plusieurs? Bah vas-y, on a perdu du temps. On a perdu du temps du coup. En voulant en gagner quoi. C'est incroyable. Perltonek, voilà. Voilà. Sylvando, c'est fait. Grand-père. Ah, mais il y a marqué confirmé en plus. Non, mais ok, c'est moi qui suis débile. Bonus hypertonique. Encore un bonus hypertonique, très bien. Et le reste, on n'a pas accès, ok. Vite comme ça. Endricu. Non, c'est la hache. N'importe quoi encore. Héroïsme. Je peux rien prendre en héroïsme. Et là on prend des trucs un peu au pif. Et les autres on fait pas. Un peu la flemme. Tout est prêt là. Là my body is ready for the bagarre. Du coup let's go for the bagarre.
Par contre, j'espère que les pouces sont affichés sur la carte, sinon ça va être chiant. Parce que s'il faut faire tout Elrea pour trouver les pouces, on peut sortir de l'auberge, quoi. Ouais, c'est bon, ils sont affichés sur la carte. Ça va être plus simple. D'ailleurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce que voilà, ça fait déjà une heure. Ça va vite. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Et à très bientôt pour la suite.